Some boy say it concern a drug matter. Corruption, wickedness, money gets slaughter. Karma is real, me tell you it no matter. What side you depend to be good, me would I rather. Me feel the tension in a the dance tonight. No for them a chat, say some people them a fight. Road boy and policeman, they quarrel never nice. But tonight that the baddest quarrel seen in all me life. Yes, yo, this a crime scene. Nous voici au deuxième jour de tournoi. Après un retour de pêche hier sans Marlin, les hommes et les femmes sont partis au lever du soleil, encore plus motivés et confiants, bien décidés à rapporter du poisson à Rostre et pour ce faire à utiliser peut-être d'autres stratégies. Il est environ 17h, nos bateaux rentrent doucement à quai. Allons voir si le Marlin, également appelé Roi des Mers, est parmi nous ce soir.
bonjour à l'équipe Épicure, hein, c'est ça? Oui. Alors, vous êtes content de votre journée, j'imagine? Oui, c'est une journée sympa, ouais, ça fait plaisir. Qui a bataillé? C'est moi. D'accord, combien de temps? 40 minutes. C'est long? Non. Non? 40. Vous avez bataillé plus longtemps déjà? Oui, ça m'est déjà arrivé, oui. D'accord, ouais. Ok. Vous êtes venu avec un super marlin? Un marlin qui doit être juste dans les points. D'accord, de combien de livres à peu près? J'en ai aucune idée, plus de 300, mais... D'accord, ok. Et il y a autre chose? Des dorades. Des dorades et ouais. Un marlin. Voilà. On vous félicite hein, pour ça, parce que c'est une belle bête. Merci et beaucoup. Et puis, il reste encore un jour. Voilà, donc tout à faire encore. Alors, est-ce que cette journée a été plus fructueuse que celle d'hier? Bon, ça a été un peu plus rigolo, c'est vrai. Un peu plus rigolo, pourquoi? Parce qu'on avait un peu plus de poissons, puis on en a raté, donc c'est bien. Mais il reste encore une journée. Il reste encore demain. Donc demain, on va essayer d'arriver au bout du compte quand même. D'accord. Et vous nous avez ramené quoi? Des petites dorades. Des petites dorades? Oui, oui, c'est tout. Bon, on fera mieux demain. On fera mieux demain, c'est sûr. Est-ce que ça s'est bien passé aujourd'hui? Très bien. Est-ce que c'était mieux qu'hier? Pour l'ambiance générale, oui. Maintenant, pour les poissons, on va dire un petit peu mieux. On a fait un peu plus de dorades, mais pas de marlin. Pas de marlin. Non. Uniquement des dorades? On a fait uniquement des dorades, oui. D'accord. Bon. Eh ben, il y a quand même un jour à suivre, donc oui, c'est pas perdu. Ce n'est pas fini. D'accord. Il reste un dernier jour et nous, on a le don de finir en beauté, donc on croit toujours en notre chance. C'est le meilleur pour la fin? On espère. On est. Tout on y croit? On y croit, dur. Et hier, c'était? C'était une bonne entrée en matière, on a eu la totale, on a loupé le Bimini Start, on n'avait plus de batterie sur le bateau, on a eu un problème de direction. Petite poisse. Chat noir, on appelle ça carrément. Pour d'autres, c'est lapin qu'il faut pas dire, mais non, la totale. Mais bon, on rentre bien, donc tout se passe bien. D'accord. Tant qu'il n'y a pas de blessés, tant qu'il n'y a pas d'effusion de sang, que l'ambiance est bonne, que c'est tout le monde principal. S'amuse, c'est l'important. On est tous venus là pour passer un bon moment. Moi, je suis professionnel. Mm-hmm. Et malgré ça, je viens pour passer du temps avec mes amis. Donc. Au départ sur la ligne directe à bâbord et donc un gros marlin qui a sauté au bout d'à peu près une demi-heure. On croyait au bout de deux heures l'avoir réellement maîtrisé, mais bon voilà, mais non. Il est revenu au bateau, il est reparti. Le bateau on a reculé, on a fait à peu près 7000 en marche arrière, 7000 nautiques. Et puis, bon, mais voilà, 4h30 de combat, c'est moi qui ai gagné, et on l'a ramené à bord. Voilà. Est-ce que tu as pensé à abandonner ou à couper? Ah non, mais de toute manière, c'est sûr que quand on a une belle bête comme ça au bout de la ligne, on ne pense pas à abandonner, même si on a mal, même si on a des collègues qui nous donnent à boire, à manger. Tout est vraiment bien maîtrisé, c'est une équipe de toute manière. Sans les uns et les autres, on ne pouvait pas ramener un poisson comme ça. Comme. On a gagné le concours et on a gagné la voiture et voilà. Et ça va être la fête comme il se doit.
vite. Ok. Ok, bon match. C'est François Stiers. On fait partie en effet d'une petite équipe avec mon frère Guillaume qui n'est pas là aujourd'hui, Lolo et Thomas qui sont de nos équipiers et Xavier qui est là à côté de moi. Et voilà, ça fait 10 ans qu'on se connaît, 10 ans qu'on pêche ensemble et qu'on a développé un petit esprit de pêche sous-marine qui nous convient bien et qu'on aimerait partager. On est moniteur d'apnée et de pêche sous-marine. On s'est connu à l'époque d'Apnée 7, qui était le premier club de pêche et d'apnée, pêche sous-marine et d'apnée en Guadeloupe. On prend des fusils qui sont déjà spécifiques pour ça, parce que le but, c'est pas de tirer juste un poisson, le but, c'est de le remonter et pas blesser un poisson pour rien. Donc on essaye de mettre toutes les chances de notre côté pour assurer nos prises. Et puis après, c'est de la recherche et regarder les cartes marines pour essayer de trouver les tombants, pour essayer de repérer les courants, trouver les zones où il y a du poisson, des chasses avec des boniques par exemple, ou quand on a l'occasion d'aller au large, tomber sur un bois dérivant, c'est ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais quand on pêche entre nous, on a bien confiance aux copains à chaque fois. Et déjà pour en matière de pêche sous-marine, il faut avoir confiance à son binôme parce que celui qui assure la sécu en cas de syncope, c'est malheureusement quelque chose qui guette le pêcheur sous-marin. Et pas uniquement dans le bleu, hein, même quand on pêche sur la caille. Donc déjà par rapport à ça, il faut savoir que le gars il sera tout proche quand on va remonter en surface pour assurer la sécurité en cas de syncope. Là, il y a un facteur de plus dans le bleu, c'est que comme on va tirer des gros poissons, on risque de perdre le fusil ou d'avoir des petits soucis par rapport à la taille du poisson qui fait que ça va tirer fort. Et donc voilà.